Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 3 du tour du Pays Basque. Et puis on fera également un petit point sur euh, le tour de la Sarthe euh, en fin de, de, de vidéo. Donc on va revenir sur cette étape 3, bien entendu. Top flop. Le bilan des bleus, comme d'habitude, vous en avez l'habitude. Euh, et puis euh, bah voilà, on reviendra un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien. Vous pouvez mettre la petite cloche, euh, ça c'est pour des questions pratiques, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette étape, notamment n'hésitez pas à me parler de la stratégie d'Ineos, parce que moi je trouvais que la stratégie d'Ineos, euh, bon, au final ça n'a pas été exceptionnel. Mais euh, vous, on en discutera un petit peu dans les commentaires. Cette étape euh, numéro 3, étape qui a été sympa euh, quand même à suivre dans le final. Avec euh, bon quand même Ineos qui a, euh, qui a euh, fait le spectacle on va dire que ce soit avec Guan Thomas avec Adamiette derrière euh, qui a fait des accélérations euh, et puis euh, bon derrière un, un groupe où l'entente n'était pas forcément exceptionnelle avec Arinco et Venepool qui essayaient de faire des cassures derrière vous aviez la Philippe qui essayait de se faire euh, discret et puis ben un sprint euh, étonnant euh, quand même parce qu'avec un, un Julian qui se fait surprendre par Bilbao, je pense quand même que Bilbao était très fort aujourd'hui euh, et qu'il a un peu, euh, voilà, il, il a il pris la bonne roue, euh, il l'a pris très tôt euh, la roue de, de Julian, ce qui était très intelligent. Mais euh, une étape qui sur le papier le parcours était intéressant, mais bon. Euh, on ne serait pas dit tout de suite qu'à l'arrivée, il ne serait que 16. Bon, L'étape a été rondement menée. Avec une surprise encore, c'est cette situation aux alentours de 40 km de l'arrivée. Donc, on avait Guerin Thomas qui roulait très très fort. Et puis, d'un coup, il y a Guerin Thomas bon, qui s'arrête. On se demande un petit peu pourquoi. L'écart à ce moment-là était aux alentours d'une 30, une 40, je crois, avec Rodriguez. Enfin, vraiment, l'écart baissait très très vite. Rodriguez était même parti seul. Il avait lâché notamment Yann Polanck. Et, euh, et à ce moment-là, bah, ça arrête de rouler. Et ce qui fait que bah, Rodriguez, y reprend 4 minutes d'avance à 40 bornes de l'arrivée. Un peu comme hier, une stratégie assez surprenante, surtout de la part d'Ineos. Si Ineos avait décidé de prendre en main la course, je ne vois pas pourquoi à un moment, ils ne se sont arrêtés. Donc, ce qui fait que pendant 10-15 km, un peu comme hier, ça se regardait, ça discutait derrière dans le peloton. Euh, on était en mode détente alors que euh, 15 bornes en avant, euh, bon, c'était pas la guerre, mais euh, ça menait au bon train. Donc, assez surpris de, de cette stratégie euh, de la part d'Ineos, mais on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. On passe tout de suite au cours, au euh, coureur français, au bilan des bleus, pardon. Du côté du bilan des bleus. Eh ben, je vais commencer avec Julien Alaphilippe. Euh, Julien Philippe, bah, qui a fait une très belle course aujourd'hui. Euh, Julien, hein, il a fait le job. Euh, totalement, euh, il a réussi à être devant. Euh, malgré tout, euh, voilà. Il lance peut-être d'un peu tôt. C'est vrai que quand je l'ai vu lancer, il lance à 175 mètres de l'arrivée, hein, à peu près, 175 mètres. Euh, c'était peut-être un peu tôt, surtout que c'était un faux plat montant. Est-ce qu'il avait bien repéré le final Est-ce qu'il savait que c'était un faux plat montant euh, C'est la question qu'on peut se poser du côté de Julian. Mais après, je, je pense aussi que Bilbao était très fort parce qu'il fait deuxième, hein, donc Bilbao a été très fort. Mais je pense qu'il lance peut-être à les 10 mètres trop tôt, mais en même temps. Remco Evenepoel était peut-être cuit aussi à ce moment-là, parce qu'il avait fait 1 km à fond, Remco Evenepoel. En fait, l'erreur, c'est peut-être que Remco Evenepoel s'est mis à l'avant du peloton, peut-être 100 mètres, 200 mètres trop tôt, et que bah, Philippe, à un moment, il a fallu qu'il lance, parce que Remco Evenepoel, il avait plus grand-chose dans le moteur. Surtout qu'il avait fait de multiples attaques auparavant. Euh, donc, c'est est, peut-être ce, ce qui a fait la différence par rapport à un, à un Bilbao qui, lui, bah... Euh, a été peut-être un peu plus intelligent euh, dans sa gestion de course que euh, le coureur de la Quick Step, mais c'est quand même un bon résultat pour le coureur français. Encore une fois, dans l'optique de remonter dans le classement général, bah, il prend 6 secondes de bonification aujourd'hui, Julien Lafilippe. Donc, euh, il est maintenant à 28 secondes. Euh, voilà, donc il regrappit des secondes, des, des petites secondes. Pour remonter au classement euh, ça c'est vraiment très intéressant pour julien à la philippe deuxième courant au top on est désormais à moins 6 dans le point jr c'est Latour et rodriguez j'ai envie de dire la totale aujourd'hui a fait plutôt une belle journée euh, déjà on a un pierre latour qui fait encore une place dans le top 10 c'est sa dixième je crois depuis le début de saison je crois que c'est ça que j'ai vu en, en statistique sur twitter euh, alors bon bah, on va vérifier ça 1 2 euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, euh, 11, même moi j'en suis à 11, euh, sur ce tour du Pays-Bas, donc côté d'Amorio, euh, bah, c'est vraiment un, encore un bon résultat euh, pour le coureur français, euh, qui est maintenant je pense peut-être plus dans un profil puncheur que pur grimpeur. Enfin, Pur grimpeur, vous me comprenez, coureur de Grand Tour. c'est à dire que là sur ce parcours là, on est quand même plus sur un parcours puncher. Euh, j'ai l'impression que du côté de Pierre Latour, ce qui serait une bonne idée, parce que en haute montagne ces derniers temps, bon, euh, notamment euh, du côté du col du Turini, mais sur d'autres montées, on, on sent que c'est limité. Hein, euh, en haute montagne, euh, Pierre Latour, j'ai l'impression que sur ces bons résultats là. Notamment autour de la Provence, mais euh, euh, aussi sur l'étoile de Bessèges, on était quand même plus sur des étapes punchers et des contrôles à montre. Il faudra peut-être qu'ils se concentrent là-dessus. Euh, et j'ai l'impression qu'on. C'est qu un peu l'idée, peut-être, du côté de la, de la totale énergie. Euh, bon, après, il faudra voir sur le reste de la saison. Là aujourd'hui, eh ben, l'étape, ben, l'étape pour le pour le français, qui lui aussi hein, est dans le top 10 pour le moment du du général. On va voir comment ça va tenir, notamment vendredi et samedi, parce que les étapes seront un peu plus euh, difficiles. Mais c'est bien pour, pour Pierre, il prend de la confiance encore une fois avant, avant des belles échéances. Et puis euh, on pourra souligner le gros travail de Christian Rodriguez. Alors déjà dans l'échappée matinale, ça c'est déjà une belle chose. Et puis ensuite, bah il a fait le job hein, pour Pierre Latour, il s'est sacrifié pour Pierre Latour. Et ça c'est très intéressant. Le petit Christian Rodriguez, quand même en passant, qui fait un, un gros début de saison. Hein, euh... Christian Rodriguez, on n'en parle peut-être pas beaucoup. Mais je rappelle, deuxième du Tour d'Andalousie, euh, notamment en faisant une très très belle dernière étape. Euh, il a fait donc là 15e aujourd'hui, 14e également euh, de l'étape 6 euh, de Tireno euh, Adriatico, 17e du classement général de Tirreno Adriatico. Pour un coureur. Euh, qui euh, n'est peut-être pas forcément hein, dans le top 20 des meilleurs grimpeurs du monde, et ben bah, je trouve que c'est plutôt pas mal euh, ce qu'est en train de faire Christian Rodriguez pour le moment, à 27 ans. Euh, il vient de les avoir, il y a un mois. Euh, c'est 27 ans, mais Christian Rodriguez, je trouve qu'il fait un bon début de saison. Le coureur de, de la Total, c'était une bonne recrue hein, parce qu'il l'avait pris euh, d'une équipe de Cararural je crois. Christian Rodriguez. On n'attendait pas grand chose de l'espagnol, enfin pas plus que ça. Mais pour le moment, je trouve que c'est pas mal ce qui fait le coureur espagnol. Et puis là, il s'est vraiment sacrifié pour Pierre Latour. Donc là aussi, bon sens du collectif pour le coureur de la Total. Et peut-être une stratégie qu'on n'aurait pas vue euh, auparavant du côté de la Total énergie, Mais voilà, une stratégie où on, on met un coureur devant. Et puis une fois qu'il se fait rattraper par l'échappée, il se met par le, le groupe derrière, il se met à rouler. Ça, c'est un truc qu'on voyait assez peu du côté de, de la Total. Donc, bien joué euh, du côté de, de cette formation. On commence à avoir peut-être enfin des stratégies qui tiennent la route. Et puis, euh, David Godu, euh, également, quatrième euh, bah, aujourd'hui, David Godu, euh, euh, qui était bien entouré. Moi, j'ai trouvé qu'il était bien entouré aujourd'hui par les corps de la Groupama. Euh, notamment à 40 ans de l'arrivée, meloy il y avait un, vraiment une belle équipe autour de lui. Il y a peut-être des, des mecs qui vont marquer des points euh, pour euh, l'équipe qui sera présente sur le Tour de France, parce que, étant donné qu'on ne va pas vraiment jouer les sprints hein, sur le Tour de France avec euh, Thibaut Pinot et euh, David Godu, et puis ça montre qu'au niveau du dos, bah, ça tient. Parce bon là, on est quand même au troisième jour d'affilée, ou euh, enfin deuxième jour d'affilée, pardon, où il est performant. Donc ça montre qu'au niveau du dos, c'est pas mauvais euh, du côté de David Godu. Euh, et puis là, fallait quand même être euh, aux avant-postes, parce que devant, ça, ça roulait fort, fort, euh, fort rapidement euh, du côté de, autour de, de David Godu. Hein, on était quand même sur un beau groupe. Hein, euh, Bilbao, Alaphilippe, Blazov, Godu, Mas, Latour, Roglic, Isagiré, Vingegaard, Uran Kras. Euh, Martinez, Evenepoel, euh, Adam euh, peut-être que le moins capé de tous ces coureurs-là, c'était Steph Kras, le coureur de, de, de la loto. Donc c'est bien d'être dans ce groupe-là. Ça montre que les jambes sont bonnes, que voilà la forme progresse. David Godu, il a aussi, je pense, des envies euh, sur les Ardennaises, hein, euh, notamment sur liège bastogne liège qui arrivera euh, dans une vingtaine de jours. Donc c'est important de se montrer pour le coureur français. Et puis, euh, en plus, moins, j'ai mis Yonis Là aussi, hein, dans le bon groupe, euh, Yoni Aguiré, alors, un peu plus en difficulté, hein, il est revenu dans un second temps, euh, Yoni à un moment on nous marquait même Victor Laffer, alors que c'était Yonis hein, il est arrivé, euh, voilà, dans un, dans un deuxième temps, euh, à revenir sur le groupe qui était parti euh, sous l'impulsion d'Adam Yates. Là aussi, hein, Yoni Aguiré, euh, il fait pour le moment... Euh, un bon tour du, du Pays Basque, hein, dans, très bien classé, même au général, je crois. Euh, si je vérifie, Yannis Aguirre, oui, les 7e, euh, est septième. C'est important hein, pour Yannis Aguirre c'est de marquer des points euh, du côté UCI, euh, parce que Cofidis a besoin euh, de ces points. Mais sixième euh, de Grande Camino, septième de Paris-Nice, septième du Grand Prix Idaline du Rennes, euh, pour le moment dans le top 10 du Tour du Pays Basque. Plutôt des résultats très satisfaisants. Pour le coureur qui a rejoint l'équipe française après 3 ans du côté de, de chez Astana. Plutôt pas mal pour le coureur de, de, de 33 ans. Je ne pas qu'il retrouve une seconde jeunesse, mais c'est quand même un peu plus intéressant que, que sa dernière saison chez Astana où il était peut-être un peu trop contenté, cantonné pardon, euh, à un rôle d'équipe. Je poursuis avec les coureurs au top. <laughs> Attaque de Marlou Du côté des coureurs au top, je vais commencer avec le vainqueur du jour, Pélo Bilbao, bien joué. Il a toujours bien aimé euh, les routes du Pays basque. Hein. Pélo Bilbao, euh, bon, c'est voilà, une demi-surprise, on va dire, de le voir euh, aux avant-postes, euh, le coureur euh, espagnol. Mais euh, il a souvent pas été mauvais sur cette course. Coureur qui a commencé chez, chez Ajucatel hein, euh, en 2011, à l'époque du Ajucatel qui était euh, en World Tour. Euh, et puis, bon, on sait qu'il a, qu a toujours été bon euh, sur, euh, le, sur les routes espagnoles. C'est un coureur voilà qui euh, est, est maintenant euh, euh, en préparation pour le, le Tour d'Italie. Hein. L'objectif est, je pense, de faire top 10, peut-être pour lui, pour le Tour d'Italie. Euh, et euh, là aussi, depuis le début de saison, des résultats... Très satisfaisant, 5e d'Estradé, 9e de Tirreno, 11e du Grand Prix Miguel Indurain, 3e de UAE Tour, où il avait été très bon, notamment de, du côté de Djebel euh, donc 13e du Tour de la Communauté de Valence, où il avait été un peu plus en difficulté, mais vraiment euh, du côté euh, de Bilbao, là aussi, hein, on est sur un bon début de saison, Le coureur qui est maintenant aguerri, hein, 32 ans, qui a mis un peu de temps avant de se. Euh, avant de montrer ce qu'il savait faire sur les grosses épreuves, hein, ça, il a mis un petit peu de temps avant de vraiment montrer toutes ses qualités. Mais bon, aujourd'hui, c'est un coureur vraiment très bon. Et puis là, il choisit la bonne roue. Il choisit la bonne roue aujourd'hui. Hein. Il y avait la Philippe. Bon, on savait que c'était le favori sur une arrivée comme ça. Et Bilbao, bah, il a pris la roue du favori. Et puis on connaît la pointe de vitesse de Bilbao, hein. il en a gagné des courses, notamment je me souviens de son étape sur le Giro euh, en 2019, euh, la deuxième victoire où, où il avait très très bien géré un sprint. Donc euh, il, sait, il sait très bien s'en sortir dans les sprints en petit comité, c'est bien se placer. Donc, moi quand j'ai vu, euh, pour tout vous dire, donc à l'arrivée voilà en direct, hein, quand l'arrivée se déroule, j'ai dit, oh putain, il y a Bilbao derrière la Philippe. Ça va pas être facile, si facile que ça pour Alain Philippe. Bah, j'ai pas eu si tort que ça parce que c'est avec Bilbao. Je me suis dit, aïe aïe aïe, le coureur espagnol, faut s'en méfier. Et euh, bah, voilà, il, il s'en est très bien sorti aujourd'hui. Lui qui fera le Giro et la Volta cette année. Hein, Bilbao, euh, ce qui est un programme assez costaud, pas forcément un programme facile. Petit Bayou, entre autres. On continue avec Vlazov. Vlasov, que dire de Vlazov bah, que la forme est bien meilleure que sur sa dernière sortie euh, et qu'on a euh, un Vlazov bah, qui cette semaine euh, va être performant. Hein. Parce que à un moment il, a, il est revenu euh, sur Emco et Venepoule, solide. Hein. À un moment il y a Venepoule qui part dans, le, dans les dix derniers kilomètres derrière lui mais euh, la sœur multipliée. bam, il revient avec, dirais euh, pas de la facilité parce que devant c'était Remco et Venepoule, mais avec une belle force, hein, on sent que les jambes sont, sont plutôt pas mauvaises. Troisième de, derrière, je, allez, Julien à la Philippe. Hein, il est sur la même ligne que Bilbao à la Philippe, donc ça aussi c'est très intéressant. Et puis euh, maintenant avec une équipe à son service, hein, euh, avec euh, Igita euh, qui euh, a perdu euh, beaucoup de temps, Bourman euh, également. Euh, et puis 4 secondes de bonification aujourd'hui. Euh, donc j'ai oublié de regarder le général. Vlasov, il se retrouve à 14 secondes désormais de Roglic. Donc c'est aussi la bonne opération du jour, hein, ces secondes de bonification qui lui permettent de remonter au classement. On n'a pas parlé de Bilbao, mais Bilbao revient 19 secondes. Hein. Donc ça se resserre euh, du côté euh, des avant-postes et avec un, un Vlasov qui aujourd'hui moi m'a vraiment impressionné euh, au niveau des sensations que j'avais euh, quand je le regardais. Je trouvais qu'il y avait vraiment euh, un bon rythme, qu'au niveau des jambes ça tournait vraiment... Euh, très très fort euh, du côté euh, du coureur neutre désormais. Euh, L'ancien coureur russe devenu coureur neutre, euh, Alexandre Vlasov. Euh, et donc euh, voilà, la, la, la forme a l'air d'être pas mauvaise euh, pour euh, le coureur russe. Et on, on espère que ça va continuer comme ça sur la fin de semaine parce que c'est un coureur qui est très important. On passe tout de suite au bonnet dan. Trois bonnets d'âne aujourd'hui, il n'y avait que deux tops, mais trois bonnet dan. Le premier flop, c'est Ineos. Euh, j'ai pas trop compris leur stratégie aujourd'hui. Alors, j'ai pas trop compris leur stratégie. On va par là que euh, si prendre en main la course, bon, ça pouvait être intéressant quant à Adam Yatsuke, qui semble très fort. Bon, ça ok, euh, ça, ça ne me pose aucun souci. Euh, bon, on a bien compris que désormais, Guerin Thomas et Hugo Geignard c'était des sous-fifres. Hein. C'est fou, Guerin Thomas, il est revenu euh, quasi sa place dans la hiérarchie de, dans, dans cette équipe et euh, redevenue la même qu'à ses débuts. Euh, c'est un truc que je me disais, Guerin Thomas aujourd'hui c'est devenu un larbin, quoi, comme vainqueur du Tour de France. Euh, enfin, voilà, maintenant c'est un, un, un coureur un peu lambda chez Ineos. Bon, Gegenhardt, un peu pareil, hein, parce que là aussi, hein, il s'est sacrifié pour Adamiette. Mais déjà, je n'ai pas compris pourquoi ils ont arrêté de rouler un moment pendant 10-15 km, alors que c'était peut-être à ce moment-là qu'il fallait enfoncer le clou, ne pas laisser respirer les autres équipes. Il fallait peut-être éliminer des équipiers à ce moment-là pour isoler les leaders. Euh, je trouve que Gauguinard, en passant, on ne l'a pas vu énormément de temps l'avant du peloton. Autant un Thomas a fait un sacré boulot. Autant que Gauguinard, je suis un petit peu cir plus circonspect euh, par euh, l'énergie qu'il a déployée. Mais surtout, dépenser autant d'énergie pour finir 12e et 16e de l'étape. Alors certes, Damiette a eu un problème technique. Martinez n'a pas eu de problème technique. Donc il finit 12e sans avoir vraiment éliminé de leader. Parce que quand on regarde bien le général, euh, bon, à part euh, peut-être Marc Solaire, est-ce qu'on comptait vraiment Marc Solaire comme un des favoris de la course On connaît les limites de Marc Solaire. Il euh, n'y a pas vraiment de coureurs qui se sont fait éliminer. Ce qui est un petit peu la surprise du jour, je pense, pour Ineos. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé énormément d'énergie, ils ont roulé énormément pendant toute l'étape pour éliminer personne. Éliminer personne et pas gagner l'étape. Et voire même des coureurs se rapprocher d'eux au général. Donc, d'une situation qui n'était pas mauvaise, qui pouvait être plutôt bonne, on se retrouve dans une situation qui n'est pas fantastique en termes de stratégie. C'est-à-dire que vraiment, Ineos, l'idée était pas mal, mais ils n'ont pas réussi à faire la finition. La finition, ça n'a pas, pas marché aujourd'hui. Du côté d'Ineos, vraiment très surpris par. Euh, cet arrêt déjà à un moment pendant euh, 10-15 bornes, vous arrêtez de rouler, tu te demandes un petit peu pourquoi. Euh, ils voulaient être épaulés par une autre équipe. Bon, Ineos, à une époque, ils n'attendaient pas d'être épaulés par une autre équipe pour, euh, pour faire la différence. Je pense qu'en plus, le collectif sur cette, sur cette course n'est pas mauvais. Euh, le collectif Ineos hein, sur, sur euh, cette, euh, ce Tour du pays Basque que vous avez Fraley, Goguenard, Martinez, Rodriguez, Thomas, euh, Ben Tulette, Adam voilà, tu, on n'est pas sur une mauvaise équipe. Aujourd'hui, on a quand même sacrifié des coureurs Gauguinard, euh, Rodriguez pardon, et Guerin Thomas. Donc, il faudra voir comment ça va se passer aussi en termes de relations dans l'équipe. Hein, parce qu'un Guerin Thomas que tu sacrifies ou un Guerinard que tu sacrifies, ce pas facile. Rodriguez, il est quand même en forme depuis le début de saison. Donc, on l'a un peu sacrifié alors qu'il est très performant depuis le début de saison. Pour qu'ensuite, derrière, tu fasses même pas top 10. Bonne chance demain au briefing pour Gabriel Rache, le coureur norvégien, enfin ancien coureur norvégien qui est désormais directeur sportif. Du côté des flops, bah, peut-être le seul leader qui s'est fait squeezer, c'est les Knessund. Les Knessund qui finit à 2 minutes 25. Dans un groupe, on retrouve également Lucas Hamilton, Carlos Rodriguez, Michael Woods, Guggenhardt. Euh, je m'attendais à mieux euh, de l'Eknessoun je me disais qu'aujourd'hui autant Woods bon on l'avait vu perdre quand même une minute sur le contre la montre on peut se dire c'est peut-être pas du grand Woods euh, bon Rodriguez Kuss tous ces coureurs là ils ont travaillé pour leur leader Hamilton bon souvent il m'a déçu Lucas euh, Lucas Hamilton par contre l'Eknessoun il disait ah bah aujourd'hui euh, parcours qui est pas extrêmement dur avec des petites côtes un peu punchy ça peut lui convenir et eh bien pas du tout, il est passé au travers, euh, ce qui est dommage en plus pour DSM, parce qu'on ne peut pas dire que DSM ait fait le plein de points en ce début de saison euh, UCI, même s'ils ont quand même une marge de sécurité euh, normalement sur Cofidis et, euh, et sur EF, qui est également dans une situation à border, un petit peu borderline EF, ils sont à la limite. Euh, mais euh, bon, ça aurait fait quand même du bien euh, mentalement à DSM, parce qu'on ne peut pas dire que cette formation soit au top, de, à part Craig Anderson, qu'on a beaucoup vu, les autres sont un peu aux abonnés absents. Et là, bah, ça aurait pu être intéressant pour, pour l'équipe, pour se redonner un petit peu le, le plein de confiance. Et, et après une année déjà 2021 qui n'avait pas été exceptionnelle, donc se redonner un petit peu de la confiance. Et bah non, parce qu'il passe à côté aussi. Et qu'à un moment, il y a une sorte de spirale infernale qui est en train de se mettre en place autour de DSM. Ce qui m'inquiète quand même légèrement. Et puis, euh, dernier cours flop, c'est Bennett, Georges Bennett, le coureur du AE, qui a abandonné Georges Bennett euh, en difficulté depuis le début de saison. Hein, Georges Bennett, ça fait partie des coureurs qui, qui ont du mal euh, sur l'UAE Tour, où bon, il a fait le rôle d'équipier, pareil sur le Tour de Catalogne. Euh, 7 des championnats de Nouvelle-Zélande du contre la montre, euh, c'est pas foufou, euh, c'est quand même un coureur qui a eu des résultats en 2020, depuis qu'il est arrivé chez eux, euh, enfin en ce début d'année, euh, c'est pas, pas foufou, alors que chez Jumbo euh, en 2020, euh, il avait vraiment fait des, des belles performances, même 11ème du général du Tour d'Italie quand même alors, que pas euh, si catastrophique que ça, même si bon, George Bennett à une époque on disait euh, c'est peut-être la nouvelle pépite euh, du côté euh, des grimpeurs, euh, mais là en début de saison il est vraiment euh, l'arbin euh, chez UAE, ce qui est un petit peu dommageable parce que quand on est Georges Bennett, euh, on s'attend enfin, moi je m'attendais pas à ce qu'il se retrouve dans cette situation là à être. Euh, on va dire dans un rôle d'équipier. Je me disais, bon, il sera peut-être dans un rôle d'équipier sur les courses de montagne, mais dès que c'est un peu punchy, on lui laissera sa carte. Oui, mais le problème, c'est que Pogacar, étant présent sur de multiples disciplines, c'est compliqué. Euh, et puis, euh, bon, bah, bah, Marc Solaire. Puis je trouve que vraiment, depuis le début de saison, les quelques fois où je l'ai vu, même à l'avant du peloton, je trouve que les gens ne pas pas top. C'est pas du grand Georges Vénette, j'ai l'impression. Mais en même temps, euh, peut-être qu'il est un peu aussi démobilisé euh, par la situation dans laquelle il est euh, chez UAE. J'ai trouvé que là, aujourd'hui, un peu utilisé comme larbin, ça me, enfin, là, euh, abandon, mais je dirais que sur le Tour de Catalogne, surtout, je l'avais vu un peu utilisé comme équipier. Dans Juan Ayuso, je pense qu'il aurait pu avoir un autre rôle. Demain, étape numéro 4, nous allons regarder tout de suite le profil. Euh, cette étape euh, numéro 4 qui partira de Victoria Gatez, je prononce à la française parce que bon, à la basque, euh, c'est un problème. Enfin, j'ai voilà, pas fait espagnol LV2, moi, donc j'ai un problème. Euh, vers Iguetam parc Zamudio. 186 km. Euh, dernière étape un peu tranquille, même si ça reste le tour du Pays basque. On se comprend, avec deux cols de troisième catégorie, deux cols de deuxième catégorie. Deux sprints intermédiaires, le problème c'est que la dernière difficulté est à 30 bornes de l'arrivée. Je pense que c'est un peu trop loin. Et puis euh, le début de journée, euh, plutôt descendant euh, jusqu'au kilomètre 65, le pied euh, du col de Vivero, euh, en troisième catégorie, côte euh, qui montera à 364 mètres d'altitude. Ce n'est pas des grosses difficultés, après il y aura du, du pourcentage, mais ce ne sont pas des grandes et longues difficultés. Donc, je pense qu'on aura euh, peut-être la même physionomie de course qu'aujourd'hui, ou pourquoi pas des échappées sur cette étape, parce qu'après, ça va être un peu plus compliqué. On passe désormais au petit point du jour sur euh, le tour de la Sarthe. Euh, victoire aujourd'hui de l'Avcoy devant Mats Pedersen. Mats Pedersen qui a lancé un peu trop tôt euh, sur un parcours qui était assez technique dans le final il y avait notamment une descente. Euh, en forêt qui était un peu euh, un peu borderline surtout qu'il y avait un peu de, de, de je sais pas de c'était pas de la boue mais je sais pas comment expliquer du sous bois qui était un peu sur la route qui traînait enfin, c'était pas la route était pas nickel et puis dans le dernier kilomètre il y avait une route qui se rétrécissait un petit peu euh, du côté de, de Lelude. Donc Olaf Coy qui s'impose, euh, Lorenzo Manzin qui fait une belle troisième place, euh, qui a profité de l'abandon euh, de Peter Sagan, car Peter Sagan a abandonné sur le tour de la Sarthe. Je crois qu'on n'en dira pas plus. Euh, Bram Welton, Marc Saro qui fait 5, mais Marc Saro s'est complètement foiré sur son sprint à G2R, emmené très très bien. Et puis en fait il est parti d'un côté et il n'a pas vu que Pedersen et Kov étaient sortis donc il a démarré son sprint beaucoup trop tard Marc Sarro, il Viviani 7 on a quasiment pas vu les Ineos dans le final et puis Marc Cavendish seulement 10 il a jamais lancé son sprint Cavendish coincé derrière son poisson pilote coincé sur un bord de, 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 de la route euh, assez surprenant mais j'ai l'impression que vraiment Cavendish depuis le début de saison sur les sprints un peu tortueux c'est un peu compliqué pour lui j'ai l'impression, soit il manque de confiance il faut quand même aussi pas négliger que c'était pas Morkov hein, qui était aux avant-postes mais euh, voilà j'ai l'impression qu'aujourd'hui que Cavendish dans les arrivées un peu techniques il a euh, du mal et donc abandon de, de Peter Sagan aujourd'hui euh, au classement général euh, Pedersen garde la tête devant Kosnefroy Zinglé, Plap Goujard Vauclin Pinault Sean Quinn Olaf Coy et Julien euh, Simon euh, qui est dixième le français de la totale énergie l'étape de demain on sera autour de Sablé-sur-Sarthe la ville de François Fillon euh, avant une élection présidentielle c'est bienvenu euh, autour de Sablé-sur-Sarthe euh, un circuit euh, alors il y aura une grande boucle et puis après un peu comme aujourd'hui il y aura 6 euh, tours d'une enfin 7 passages sur la ligne et 6 tours euh, sur une, euh, un circuit beaucoup plus euh, urbain euh, dans Sablé-sur-Sarthe J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la même production. Ciao ciao.